Salut tout le monde, il est 6h40, nous sommes le 9 mars et je dois me préparer pour aller bosser. Mais comme je me suis levé vachement tôt, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire ma petite vidéo par rapport au 8 mars, la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Et vous allez me dire, ben bah oui mais en fait on est le 9, pourquoi tu l'as fait qu'aujourd'hui Eh bien justement parce que cette fois-ci je ne vais pas vous faire une journée... Euh, une vidéo, pardon, pour vous rappeler euh, les luttes, les machins, les droits, les trucs, les comme ça, je vais vous parler de ce qui s'est passé pour moi hier. Et là, on va me dire, « Ouais, mais Sandrine, faut laisser parler, nanana, nanana, nanana nan nan !» nan. Alors, pour les personnes qui n'ont pas encore compris, il faut savoir que, si ce n'était que moi, la chaîne n'existerait même pas, dans le sens où, même si je vis parfois des choses quelque peu délicates, si je n'avais pas eu à un moment donné confirmation que ce que je dis pouvait soit rassurer, soit aider des gens, je n'aurais jamais eu de chaîne. Parce que je ne me serais pas forcément investi là-dedans. Et étant donné que ma mentalité première, l'un de mes premiers principes, c'est de soutenir, etc., eh et ben, quand on m'a fait comprendre, ben, j'ai continué. Et j'ai insisté. Et même s'il ne reste qu'une seule personne qui regardait mes vidéos, je continuerai quand même. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé hier Eh bien, déjà, il s'est passé que euh, j'ai bien compris que quand on répond à une célébrité sur Twitter, il faut se protéger les fesses. Parce que les pieds au cul, j'en ai pris pas mal. <coughs> D'ailleurs, trigger warning, insultes, propos violents et tout ce qui s'ensuit, vous allez comprendre. Parce que je vais cette fois-ci vous montrer des choses que j'ai reçues. Alors je voulais vous les montrer sur l'écran de mon portable parce que j'ai pas eu le temps de tout transférer, etc. Euh, J'en ai screené un petit peu. Évidemment. Vu les chiffres que je vais vous donner, vous pensez bien que je n'ai pas tout screené, parce que sinon, euh, là, mon téléphone, il euh, n'y aurait plus de place ni sur la mémoire, ni sur euh, la carte mémoire, enfin bref. Mais bon. Alors. Qu'est-ce que j'ai osé dire Qu Qu'est-ce Eh ben. En cette. Euh, alors là, c'est Karine Le Marchand qui disait d'abord En cette journée de la femme, j'envoie toute ma tendresse aux hommes aimants et respectueux, sans le regard desquels nous ne nous sentirions pas autant femmes. Hashtag merci, hashtag vive les hommes, hashtag apaisement. Alors déjà, hashtag apaisement absolument pas, parce que, il bon, y a des trucs que je vais vous dire là, je ne suis pas la seule à les avoir pensés. Euh, donc, faut pas euh, faire genre, euh, ouais j'essaye d'inventer des trucs, j'essaye de diviser les gens, etc. Mais donc, pourquoi ce tweet pose problème Petit 1, parce que qu'il a été dit sur une journée qui à la base est une journée militante, puisque je rappelle, hein, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. C'est pas genre une journée où on reçoit des fleurs ou du chocolat. Même si je sais qu'il y a pas mal de femmes qui aiment les fleurs et le chocolat. Ok, d'accord. Mais il euh, y a la Saint-Valentin, hein. Je veux pas dire, mais... Faut, faut quand même pas non plus abuser, hein. <laughs> Ensuite. Bah forcément, journée des droits de la femme. Et qu elle, qu'est-ce qu'elle fait Eh, hey, salut les hommes. Alors, écoute ma chérie, t'es mignonne, mais... On subit déjà énormément de choses à cause de beaucoup d'hommes. Et je vais pas dire la plupart des, je vais pas dire tous ou quoi que ce soit, je vais dire beaucoup d'eux. Hein, comme ça, on va pas venir me prendre la tête en mode ⁇ Ouais, tu mets tous les hommes dans le même panier ⁇ Alors, ok, super. Donc, euh, la petite, elle oublie un petit peu. Et puis ensuite, sans le regard desquels, nous ne nous sentirions pas autant femmes. Ah, donc, en plus de ça, sans le regard d'un mec, elle se sent pas femme. Ok. Alors, si vous voulez, du coup, pour une personne ayant une conscience militante comme moi, ça fait quand même énorme. Et je me dis, mais quand même, Karine, t'aurais pu attendre un autre moment pour dire ça, surtout sur une journée pareille. À la limite, si vous voulez, <coughs> pardon, que des femmes aient ce genre de ressenti. Je m'en fiche royalement. Si vous êtes une femme que vous n'avez pas de conscience féministe et que vous avez la chance de ne jamais avoir rien vécu de traumatisant qui fait que vous pourriez détester les hommes d'une manière ou d'une autre, si vous avez envie de dire ce genre de choses, mais pourquoi pas Mais pas en utilisant le prétexte de la journée de lutte pour les droits des femmes. Parce que là, il y a une grosse incohérence et une grosse indécence et même peut-être une certaine forme de mépris par rapport aux luttes. Donc, c'est quand même un peu délicat. Et donc moi qu'est-ce que j'ai dit Bah j'ai dit lutte euh, Alors j'ai dit dans droits des femmes Pourquoi parler des hommes Bon en plus merci pour les lesbiennes elles apprécieront Lutte pour les droits des femmes Alors je vais voir si en vous le montrant sur mon sur mon téléphone ça passe Parce que bon vu tous les trucs qu'il y a eu dans les notifs euh, normalement on... Voilà ouais. Voilà, normalement. On va voir, est-ce en le mettant plus près, ça focus ou pas Ouais, bon, on voit un peu. Hein. Alors, pour les chiffres qu'il y a ici, sachez qu'au moment où je fais cette vidéo, il y a 193 retweets et presque 1100 j'aime. C'est-à-dire que je ne me rappelle pas avoir eu des tweets qui aient pu être autant, euh, autant vus pas autant de monde. C'est assez, c'est assez fascinant, sachant que j'ai aussi fait un autre tweet qui disait parce que c'est la journée de la lutte pour les droits des femmes, pas la journée des hauts oh, tiens et si on allait encore se mettre à genoux devant les hommes. Et la raison pour laquelle je l'avais formulé comme ça, c'est déjà parce que euh, j'avais pas forcément de la place pour faire un énorme roman et en plus de ça, <coughs> pardon, excusez-moi, euh, comment dire Ben, il fallait que je trouve une formulation. Euh, Concise pour dire, euh, bah écoutez, euh, c'est pas non plus la journée où on, on se soumet encore. Et le problème, c'est que la formulation du tweet de cette chère madame le marchand, bah ça faisait quand même euh, ultra soumis aussi, quoi. Et là, pareil, hein. si vous êtes une femme et que vous voulez vous soumettre à un homme ou quoi que ce soit dans le cadre d'une relation, ou je ne sais trop, libre à vous, c'est pas moi qui vais vous en empêcher. Même si, bon, vous avez peut-être un peu de misogynie intériorisée si vous passez votre temps à faire ça dans certains contextes. Enfin bref, ça c'est encore autre chose. Mais je veux dire. Contexte, les gens, contexte. Et donc. Oh punaise, <laughs> l'intro, 7 minutes. <laughs> Tant pis, allez hop. YOLO. La vidéo fera le temps qu'elle fera. Euh, et donc vous allez me dire, ouais, quand même. Pourquoi, pourquoi tu nous parles de ça Eh bien parce que, justement, sur ce premier tweet où je dis « Droit des femmes, pourquoi parler des hommes ?» Donc on disait « 193 RT, 1099 j'aime et 59 réponses. » Alors il y en a eu beaucoup de mois où euh, j'ai mis un gif où je danse et je me retourne et je fais des dons d'honneur. Pourquoi Parce que j'ai reçu effectivement beaucoup, beaucoup de choses vraiment pas cool. Alors...

Tac. Alors, sachant que par la suite, <coughs> j'ai fait un tweet sur mon profil à moi pour dire euh, oui, bon les enfants, euh, c'est bon, euh, je sais que je suis grosse quoi, donc euh, ça sert à rien d'essayer de m'embêter avec ça. Hein. Donc, je sais pas si, attendez, peut-être que en baissant un tout petit peu la luminosité de mon téléphone, c'est peut-être mieux. Alors, donc. On va, le, on va le mettre comme ça. Donc déjà, là, nous avons un... Bon, je pense que ça se voit. Hein. Ensuite, là, l'autre qui est là en mode Ouais, grosse. Ensuite, donc là, ça dit, tant que les femmes dans votre genre n'associeront pas les hommes à leur combat, ça n'avancera pas. Continuez donc à opposer les sexes, c'est sûr que vous arriverez à fédérer la France entière et à aider les femmes qui souffrent vraiment. Alors, ce genre de réponse-là, j'ai quand même bloqué les personnes, tout simplement parce que... Euh, juste comme ça, hein. les luttes féministes, c'est parce que les femmes subissent beaucoup de choses à cause des hommes. Alors certes, là ça fait un petit peu, euh, ça fait un petit peu binaire ce que, ce que je dis, mais c'est <coughs> un peu une des bases. Effectivement, depuis, il y a eu pas mal de choses par rapport euh, au genre, par rapport à ce genre de truc-là, mais bon. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi j'utilise encore le, les termes binaires pour euh, cette vidéo. Et donc, pourquoi ce genre de personnes-là Je. j'ai je, bloqué et, et pourquoi je les mets de côté Eh bien parce que si on lutte parce que les femmes subissent des choses à cause des hommes, on va pas s'amuser à les associer systématiquement à ce qu'on fait. Parce que justement, on veut se libérer d'une certaine forme de, do de domination. Donc, faut un petit peu. Voilà quoi. Alors, le, un classique. C'est classique. Hein. Ensuite, là, depuis quand un ton s'est parlé Ensuite, hein, marrant de voir quelqu'un qui lutte soi-disant pour les droits des femmes demander à une femme de fermer sa gueule. C'est la journée des droits de la femme, pas celle des droits des femmes extrémistes. Alors, ce qui est formidable, évidemment, hein, mais ça c'est une constante habituelle par rapport à Internet, c'est que cette femme, Karine Le Marchand, a le droit d'avoir une opinion. mais moi, même respectueuse, j'ai pas le droit. Et il y a une personne même à qui j'ai dit, attends, faudrait savoir. Soit elle a le droit d'avoir une opinion, auquel cas moi aussi. Soit je n'ai pas le droit d'avoir une opinion, auquel cas elle non plus. Et la personne, en fait, a dit des trucs ultra incohérents que je n'ai pas compris, donc euh, finalement, je l'ai bloqué. <coughs> Ensuite, on a... De quel droit est-il question Alors là, j'ai bloqué aussi cette personne, tout simplement parce que j'avais envie de me dire, écoute, si... Pas euh... <coughs> c est, c est, cette question, en fait, elle sentait le ⁇ c'est pas innocent <coughs> ⁇ Parce que vous savez qu'il y, y a des phénomènes de pseudo-débat sur Internet où la personne va faire semblant de s'intéresser à ce que vous dites, elle va faire semblant de vous poser des questions, la personne va jouer à un côté innocent, etc. Alors qu'en fait, elle va simplement utiliser vos propos pour les retourner contre vous. Et là, vu le contexte... Et vu toutes les choses qu'il y avait autour, je veux dire, ne me prenez pas pour une andouille. Hein. Ensuite, bon, là c'est déjà plus violent. Contrairement à nous, tu vas crever à cause de ton poids que tu devras, quand tu devras rouler pour aller chez McDo. Ou ensuite, faut arrêter de croire qu'être obèse, c'est cool et qu'il faut s'assumer qu en tant que tel. Ça engendre bien des problèmes ou maladies, voire la mort, mais bon. <coughs> Pardon. Ensuite, c'est bien de s'assumer, mais le problème est au fond que vous ne devriez pas accepter d'être en surpoids hors maladie, car c'est votre santé qui en subit les conséquences tout simplement. Comment prenez le fat positif quand on sait bien que ça vous tue à petit feu euh, Ok, d'accord. Bon, putain de truie bon, ça c'est. Voilà. Va courir et fan pas. Donc là, hein, tu nous manges, c'est ça, et je me rappelle plus de ce qu'il y avait au niveau de l'image. Ensuite, sauf que c'est toi qui vas mourir à cause de ton poids, c'est très bien de s'assumer, je respecte tout à fait ça réellement, bah ben non en fait, mais favoriser l'obésité, c'est favoriser bien des soucis de santé. Alors, ça, juste comme ça. Hein. Petit rappel pour les personnes du fond qui n'ont pas encore compris et qui sont assez bêtes pour raisonner comme ça. Les personnes qui parlent de grossophobie ne sont pas des personnes qui valorisent l'obésité et qui souhaiteraient que tout le monde devienne obèse. Non, non, non. Tout. Les corps méritent le respect. On a le droit de vivre sans se faire interpeller à chaque fois par rapport à ça. C'est tout aussi simple que ça. L'histoire de lutter contre la grossophobie, c'est lutter pour le respect. Point barre. Quelle que soit l'opinion que vous ayez de nos corps à l'intérieur de vos têtes, on s'en fiche complètement en fait. Parce que c'est nos corps, ça ne vous regarde pas. On en fait ce qu'on en veut. C'est tout. On n'est pas en train de dire que vous, vous devez être obèse. Mais bon, c'est pas grave. Bien, ton arrêt cardiaque, la grosse, au lieu d'essouir Twitter, va courir. Tu es certes grosse, mais ce n'est pas le souci. Le souci, c'est qu'au lieu de te dire que tu es en danger, que tu risques de mourir avant nous tous, tu préfères dire que nous sommes méchants et te jugeons. Oui, on te juge parce que tu es trop bête et fainéante pour maigrir. Non, mais que les gens dénoncent ce que les gens dénoncent le plus, c'est ta stupidité et la haine hystérique qui vit en toi. Bon courage, championne. <coughs> Alors, ok, t'es pas grosse, tu es juste malade, tu souffres d'obésité, soigne-toi vite, fais du sport mange des carottes, bon courage pour ta convalescence. Donc là, mais vous êtes ravagé, c'est pas possible, buvez de l'eau un peu, vous êtes toute tendue. Alors, la misandre, quand t'auras compris qu'ici on se fout juste de toi, t'auras déjà fait un grand pas dans la vie. Alors, la bagra, elle se calme, j'ai pas compris ce que c'était bagra, mais je pense que c'est une insulte. Et donc, bon, ça c'était moi pour. Euh, euh, hier à 22h26, j'en étais à 942 j'aime et 167 retweets. Ah oui. Ah, c'était celle-là, là. Journée des droits des femmes, ça veut dire. Elle dit ce qu'elle veut. En tant que femme, c'est son droit. Donc maintenant, si t'es pas contente, tu baisses ta race. Et c'est là que j'ai dit, donc, bah, faudrait savoir. Soit on a le droit de dire ce qu'on veut et pour tout le monde, soit non. Donc, soit elle n'a pas le droit, soit j'ai le droit aussi. C'est quelle option et la personne n'avait pas vraiment répondu. Enfin, j'ai pas tout, tout saisi, en fait. Et donc, voilà. Et tout à l'heure. Le fameux tweet que j'ai reçu euh, ce matin. Un gars qui sort. Nous, on t'aime pas le lardon. Perso, c'est débile pour ta part d'être féministe. Avec ta gueule, on a du mal à croire au fait que tu sois une femme. Go chirurgie et régime sans deck. C'est de la pollution que de te laisser vivre et sortir. Sachant que ça. C'est à peu près du même acabit que pas mal de choses que j'ai pu. Euh, comment dire Que j'ai pu recevoir. Alors. Hop, attendez. Là, vous allez me dire. Bah, dites donc, Sandrine, ça en, ça en fait des choses. Alors, oui. Oui, ça en fait des choses. Euh, j'ai dû bloquer. Au bas mot une cinquantaine de personnes, voire plus. Il y a eu euh, des messages. Enfin, il y a eu des personnes qui ont quote mes tweets, qui ont cité mes tweets et qui ont rajouté un commentaire. Euh, comme comme l'un. Il y en a un ou deux là que je vous ai montré sur le, sur le truc. Et euh, les gens sont venus sur mon profil. Les gens sont venus sur la chaîne YouTube pour laisser des messages pourris. Et là, je me dis, ok, d'accord. Donc, on en est encore. Au stade où euh, une célébrité dit ce qu'elle veut, quelqu'un ose remettre ce qu'elle a dit en question, et, et c'est moi qui me suis mangé les trucs dans la tronche. Alors, que les gens ne soient pas d'accord avec moi, je le répète, j'en suis consciente, je sais que ça peut arriver, et c'est même normal que ça arrive. Par contre, que ça en arrive à ce stade-là, c'est pas logique non plus. Et euh, d'ailleurs, j'ai vu plusieurs personnes citer le tweet de Madame le Marchand. Et il y en a une avec qui on a échangé ensuite. Et je lui ai dit écoute, fais gaffe, parce qu'avec ce que tu as dit, tu risques de t'en prendre plein la tronche. Et elle m'a remercié, parce qu'elle n'était pas en état de gérer ce que j'avais pu avoir à gérer. Ce qui fait que du coup, bah, en gérant les, cho les choses comme je l'ai fait, j'ai quand même réussi à aider une personne. Et c'est pour ça que euh, je l'ai fait sur la journée. C'est pour ça que j'ai géré les choses comme ça, que j'ai parfois répondu aux gens. Mais bon, alors ça c'est marrant, hein, parce que quand je, quand je signale ce genre de, de situation, euh, souvent un truc qu'on m'a dit c'est « Ouais, laisse courir, etc. » Limite « Ouais, faut pas répondre, euh, et tout et tout. » Oui, sauf que non en fait. On ne peut pas laisser ce genre de choses passer. Et pourquoi on ne peut pas les laisser passer Tout simplement parce que si on n'en parle pas, les gens les plus sensibles ne sont pas prévenus ne sont pas avertis et si tout ce qu'on a à dire pour prévenir les gens c'est oh internet c'est la jungle ben ça ça dit rien en fait ça n'aide pas donc je préfère encore euh, être qui je suis avec mes principes et les choses que j'ai envie de défendre plutôt que quelqu'un qui va se contenter de dire euh, oui, tu leur accordes trop d'attention, machin tout ça, non mais évidemment que j'accorde de l'attention parce qu'il faut quand même savoir ce qui va se passer selon les contextes. Et donc, le 8 mars, pour la journée internationale des droits des femmes, de la lutte pour les droits des femmes, beaucoup d'hommes m'ont prouvé, encore une fois, qu'ils sont incapables de réfléchir avec autre chose que ce qu'ils ont dans le pantalon, tout simplement parce que, évidemment, L'une des grosses critiques qu'il y a eu vis-à-vis -vis de mon intervention, c'est que je suis trop grosse, trop moche pour être crédible, et donc ah oh bah tais-toi de toute façon, va faire du sport et tout ce qui s'ensuit. Ah quand même si j'ai eu une incitation au suicide, euh, ou alors la personne menaçait de violence, je sais plus, mais bon. Mais franchement, c'est alors en fait c'est assez fascinant parce que la veille j'étais pas très en forme. Et je peux vous dire que la journée d'hier n'a fait que renforcer les convictions que je pouvais avoir. Ça n'a fait que prouver que j'ai raison, et mille fois raison, de me battre comme je le fais. Parce que pour toutes les personnes qui n'ont pas pu se battre, qui n'ont pas survécu et tout ce qui s'ensuit, moi, je vais continuer à dire des choses. Alors. Je ne suis pas une personne particulièrement violente. On m'a sorti que j'étais violente, méchante et hystérique. Ben. Excusez-moi, désolé de vous décevoir, mais ben non, en fait. On, on m'a accusé d'énormément de choses en oubliant que le respect, c'est dans les deux sens. C'est pour tout le monde. Et je ne vois pas pourquoi une célébrité devrait mériter plus de considération qu'une personne comme moi. Je trouve, ça, euh, je trouve ça logique. Donc, sur ce, parce que là, ça fait quand même plus de 20 minutes. Et je ne vais pas m'amuser à vous en faire comme ça tous les jours, rassurez-vous. Je vous dis à très bientôt. <coughs> n'hésitez pas... À... Alors c'est quoi qu'il faut dire déjà N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est quelque chose qui vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Euh, et si vous avez des commentaires, etc., n'hésitez pas à... à réagir. Par contre, comme d'habitude dans le respect et dans la correction. Allez, je vous embrasse parce qu'il va peut-être falloir que je mette mes chaussures et que je me coiffe un petit peu en direct.